On continue visage. On va passer prison. Je vois une cassette et j'ai un lecteur de cassette. Donc ça, c'est cool. On va passer à la suite. Oh, mais fermez-la, les succès, là. Succès Xbox. Xbox, ça te sort du truc. C'est l'enfer. Ça clignote, ici. Il y a un interrupteur, je crois, là. Ah, c'est une porte. Je vois rien du tout. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le photo, pour le follow, pas pour la photo. Merci pour le follow. Omnilink, merci beaucoup. Et bienvenue à toi. Mince, je suis dans le noir depuis trop longtemps. Il faut que je... Oui, oui, désolé. Je me mets à la lumière. Là, je suis à la lumière, it's ok. Je vais monter, simplement pour voir si... J'ai ma petite pièce de progression. Ah non, c'est pas ici. Mais j'ai accès à la cuisine, c'est incroyable. J'avais pas accès, hein. Attends, c'est vide, comme c'est triste. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est vide, moi, ça me débecte. J'ai envie de chialer à chaque fois. Je vais la lancer, dis-moi que je peux la lancer, dis-moi que je peux la lancer. Oh please, un petit effort. Déjà clic droit lâché dans ce... Ah voilà, bon bah te... Ah celle-là c'est une tasse en Kevlar, on peut pas la toucher. Vous pensez vraiment triste, une tête vide. Ouais, non, mais je suis complètement. Bon courage, Infernalou. Très bonne nuit à toi. Repose-toi bien, remets-toi. Et des bisous, bon courage. Alors, je vais pouvoir bouger ça. Attendez, je pose. Voilà. Ça m'empêchait de passer depuis le début. C'est merveilleux d'avoir accès à la cuisine. Quoi? C'est l'endroit où on bouffe, la cuisine. Enfin non, c'est pas l'endroit où on bouffe, c'est l'endroit où on se sert à bouffer. Et d'ailleurs, on va regarder ce qu'il y a au frigal. Mais bordel! Elle s'est ouverte là! Ah, je peux prendre... je prends vraiment les bières. Eh bien, ça. Et bon, j'ai fait mon stock. Je peux pas la boire. Non, j'ai pris mes cachetons. Bordel. Je suis un peu désemparée, là. J'ai pas du tout fait exprès. Un frigal repas. C'est ça. Le personnage de ce jeu est un mec. C'est pour ça que sa vaisselle n'est pas faite. Tout à fait. Parce que lui, il n'a pas été bien dressé comme il faut pour faire sa vaisselle. Exactement. C'est exactement ça. Tout à fait. Vous êtes du sous-sol, Rocky ? Est-ce qu'il y a du cacheton ici? Est-ce qu'il y a un peu de drogue? Parce que ça m'arrangerait d'en trouver quelque part. Hein? Pourquoi c'est... Je m'attendais pas à une interaction aussi poussée. Ah, je peux me... Il se cache pas dedans quand même. Mais oui! Je l'ai lu avant. Il y a les clés de quoi déjà? Les clés du garage, voilà. Dans... Putain, j'avais complètement oublié. Dans le pantalon.
mais c'est là-haut. La suite, qu'est-ce que je dis? C'est là-haut mon QG. Du coup, maintenant, je devrais y voir genre un œil, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Il y a 3 chapitres, ok. Et du coup, ça dit quoi quand je clique sur l'œil? Oh. Un œil qui va derrière les paupières. Ça semble bien inutile, quand même. Je vais remonter et je vais retourner dans les chambres un peu, faire un petit tour. Parce que j'ai pas beaucoup examiné, parce qu'aussi j'avais pas de briquet. Et c'était... Ah, je peux ouvrir ça. Trop pas. Une clé avec un petit miroir attaché. Évidemment. Une clé avec un petit miroir attaché. Je n'ai pas trouvé pour le moment. Il y avait un panda là-dessus, hein. Prendre cet objet, on lancera le chapitre. Ah! Je parie que c'était ça, le chapitre que vous voulez que je lance. Bah, let's go. Vous avez trouvé un dessin d'un panda. Tout à fait. Lucie. Ah non, peut-être pas. Un ami insidieux. Hey, Lucy. Plus de bruit, la porte. Oh. Oh, ça répond. Il va péter le mur. Ok. Là-dedans, il n'y avait rien. Nothing. John and me. Un petit briquet là dans les affaires de la gamine. Non, elle a pas de drogue, ok, mais elle a peut-être autre chose. Sarah and Dad. Vous avez dit Dolores. Oui, bah voilà, je sais pas ce que c'est, le chapitre Dolores, ils m'en mettent. Le chapitre avec la gamine, ça peut être super creepy, j'aime bien. Peurs enfantines, les poupées, les clowns. Trucs comme ça, les monstres. C'est sympatoche. Je pense qu'il faut que je continue ce délire avec le placard pour continuer le chapitre. Faut que je vois de l'autre côté ce qu'il y a. Oh! Ça va être ça. D'accord. Je clignote là-bas, ça veut dire qu'il faut que j'aille là-bas. Ouais, des cachetons. Quoi? Mon inventaire dynamique est plein. Ah merde, j'ai mis trop de bière. Attends. Voilà. Non mais je vais pas en mettre dans chaque main, hein. Faut pas tec. Voilà. Votre inventaire est plein de bière, arrêtez s'il vous plaît. Fatigant. Ça répondait pas ici, le placard de la gamine? Bah apparemment pas. Oh du coup j'ai... Voilà, c'est ça que je voulais observer tout à l'heure. Ah bah je peux pas, non mais d'accord, j'ai un briquet exprès pour ça. La bière, c'est plus important. J'en ai jeté qu'une. Hein. Bisous, Grisou, bonne nuit à toi. Comment je fais pour vraiment lancer le chapitre, du coup? The Panda is the key, peut-être? Oh, j'ai la même, quasi. Jure, j'ai la même. C'est chiant, allez. Qu'est-ce
Serafoy. Bon bah je vais... Ah! Oh, j'arrive pas. Ah si, c'est bon. Ah, ça veut pas. Incroyable, quoi. Donc c'est peut-être ici la suite, alors. Bon, j'ai fait le tour. On va faire un tour de la maison interagir. Super. Comment trouver la suite du chapitre ? C'est chiant si je galère. Ah, la télé ? Dommage, t'es vachement sympa. J'ai une cassette, je crois. Oh ! Le mur que j'ai cassé dans la prison. Est indiqué. Juste, ça a pas de rapport avec la cassette, j'imagine. Non, je pense. C'est où ça? Là où il y a le... Un truc comme ça. Je sais pas où c'est. Pas selon ce que je crois. D'accord. Du garage, mais j'ai la clé du garage moi. Je peux pas utiliser ici, ouais, parce que j'ai entamé un chapitre. Je comprends, je comprends. Ici. Moi aussi, Inta. Objet clé. Pérus. Attendez, faut que je jette encore une bière. Désolé, hein. Merde, non, j'ai jeté. Voilà, ça j'ai plein de cachets. Oh, ça permet de voir. Je peux pas le prendre? Inventaire objet dynamique est plein. Ça va, c'est pas parce que j'ai quelques bières. Super quoi, j'ai été obligée de toutes les jeter. Trop bien quoi. Oh ah.
J'adore les prises de vue réelles. Ça, on voit bien. Voilà. Ça, là, j'ai un petit bouquet au cas où. Une petite vie. Oh, une petite, une petite. Sur Phasmo, j'aurais plein de super photos. Je pense qu'elle est pas méchante. Gentille. Petite seringue. Objet clé. Et du sous-sol. Quoi ça? Non, c'est pas ça. Allez, toujours chemin là. Mais y'a pas. Et s'il y a un truc? Une bougie? Ah, oh, mais j'en ai marre, mon inventaire d'objets dynamiques, je peux pas mettre. Pour une fois que j'ai une bougie. Oui, j'ai compris. Non, mais c'est... tu m'as déjà expliqué, s'il te plaît. Putain, mais c'est con! D'accord, mais je peux pas éteindre le briquet parce que... Comment... Maintenir pour allumer. Marche bien, Léon. Super. Super relou, en fait. Je peux pas allumer. Je peux vous en servir pour jouer de la musique, ça je veux bien. Ça va être très chiant. Ça va bien niquer les yeux de faire ça à chaque fois. Apparaît-on une pièce de stockage située au sous-sol. Okay. Du coup, là, il n'y a rien qui est apparu, quoi. J'y peuvent être placés, bah, c'est bien. C'est bien, mais je n'arrive pas à les allumer, ces putains de bougies, c'est insupportable. C'est important, le médoc dans le jeu. En vrai, pour le moment, j'en ai pas beaucoup utilisé, mais c'est qu'en fait, quand je suis trop dans le noir, eh ben, j'ai ma santé mentale qui baisse. Et si ma santé mentale qui baisse, je me fais poursuivre par des monstres, machin. Donc c'est quand même beaucoup plus simple de faire le jeu autrement. En ayant des fois... Il est sorti par la bite, celui-là. Merci Seiko, bienvenue à toi. De faire le jeu en ayant de quoi calmer sa santé mentale quand ça va pas. Désolé, je suis obligée de faire ça pour voir, parce que putain, quel enfer. Il me faut un briquet, en fait. C'est-à-dire comment utiliser les bougies? Bah je veux bien, mais de toute façon j'ai plus le briquet. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai posé sur le bougeoir, je voulais l'allumer, puis ça l'éteignait instant, et puis voilà, plus de briquet quoi. C'est cool.
là. Et du coup, bah, tant que je trouve pas d'autres briquets, je pourrais pas en allumer. C'est à l'air que j'étais plus habituée. Ah. Un petit briquet ici. J'aimerais beaucoup. Ah, oh, le cas électrique, j'ai. C'est quoi que j'ai ramassé? Un autre briquet, c'est ça? Non, c'est rien. Briquet vide. Oh, fantastique. Ok. Voilà, ça a marché. J'ai réussi à allumer une bougie. Très bien ça. J'ai allumé les lumières. J'ai accompli des trucs là. Incroyable. Très... Ça, j'ai pas de temps. Je peux la prendre? Pourquoi il me dit pas que j'ai... Que j'ai l'appareil photo dans la main, putain. L'heure de follow est horrible. Elle est trop bien, mon heure de follow! Voilà. Je vais la mettre dans un bougeoir. Ah, faut que j'allume, tant pis. Oh merde, où est le briquet? Ramasse-le! Il est là. Voilà. Je pense que tu as posé un gardant dans la main. Mais le problème, c'est que c'est la même touche pour prendre, pour allumer, pour poser. C'est super lourd. Creed. On va lui mettre la cassette, hein. C'est pas ici la cassette. Ah ben non. Mais j'ai tout éteint. J'ai tout éteint. Bah, c'est malin ça. On allume à chaque fois, quoi. C'est un peu chiant. Les interactions sont pénibles. Ouais, je sais pas pourquoi c'est si mal foutu. C'est ça.
Non, mais pourtant. Je comprends pas. Merde, elle est là. Ah, je cours, je suis à fond. Je peux pas aller dans l'autre maison. Non, j'ai pas l'impression. Je vais arriver dans ses bras. C'est un peu fort. Ça m'énerve de tourner en rond, j'avoue, là. C'est un peu chiant. Bon, en tout cas, je suis dans le bon chapitre. Enfin, je suis dans le bon chapitre. Avancé ce chapitre. Mais là, en fait, je trouve plus mon chemin, en fait. Ça, c'est trop lourd. David Goudenov. Voilà, quitte à ce qu'il fasse du bruit autant que ça s'allume. Je vois de nouveau. Ça va m'aider un peu. Ici, je suis déjà allée, mais voilà, ça n'a pas beaucoup avancé. Ici, ce sont des toilettes. Dans le sous-sol, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ? Félicitations ! Merci, Job. Salut à toi. Bonsoir, bonsoir. Je peux aller là ? Non, c'est très petit. Imagine toute ta commune. Mais une photo de son visage sur le Dizzy, tu penses qu'on a une place dans ce jeu ? Bah je pense qu'il y aura vachement plus de visages que dans le jeu visage quoi. Voilà, je me tire. Clé du sous-sol, hein, j'ai toujours pas cette putain de clé du sous-sol de mes... De mes... couilles. La voix de mon copain. Ça me saoule de tourner en rond comme ça! Pas réussi à faire rêver, je suis déçue. J'ai pas eu envie de surjouer aujourd'hui. Ça me saoule, je sais pas ce que je vais faire.
J'espérais passer à côté. J'ai le tape parce que vraiment, c'est trop fort. Par rapport à tous les autres bruitages, ça nique vraiment les oreilles. Donc, j'ai le tape. Est-ce qu'on peut pas passer ? Apparemment, l'asthme, ça fait vachement peur aux gens. Je mets là juste pour que sa santé mentale remonte, c'est la tâche que vous voyez ici. Faut que je cherche un peu mieux, hein. Je me doute, c'est juste que... je vais me les bouger à l'arrache. C'est juste que vu que j'ai peur d'utiliser mon briquet, bah je sais pas bien. Je m'y prends mal. Alors je trouve des cassettes, c'est cool. Le problème c'est que je n'arrive pas à accéder de nouveau à l'endroit où je peux les lire. Ah si, ça y est. Oui. Ok, on va lire des vidéos. Voilà, greed. Moi, ouais, la climat. Oh, des sans-visages. Mais ça, on connaît ça. Ça serait une poule ou un corbeau, ce machin? Il était dégueulasse. Ok. Ok, ok. Ensuite, ça. Sa addiction. C'est près de là où je suis, ça, non? Oui, bon, allez. Ok. Ça m'aide pas tout ça. Oui, non, mais les passages avec les gosses sont... Oui, d'accord. Allez, mène-toi. J'ai vu une tête. J'ai vu une tête. Elle met le propre pied du gamin dans sa gueule. Ok. J'en ai encore une ou deux. Oh non. Je peux pas les lire en fait, les textes se superposent. D'accord.
D'accord. Toute grid, c'est passionnant. Je vais faire la première alors, on va voir. Prison, là j'ai fait aussi. Indifférence. C'est un peu gênant, regarde, des petits enfants comme ça qui jouent, je ne sais pas. C'est gênant. Moi, je suis gênée. Avec petit flash. Je peux pas, depuis tout à l'heure, j'essaie de prendre en photo la... la vidéo, je peux pas. Ah! Tout dans la buanderie? Les parents? Ça a zoomé sur plein d'endroits. Ok. Ouais, les bougies peuvent être placées ici. J'aimerais bien en trouver dans le coin. À un moment qu'il y aura une coupure de courant, ça me serait utile, mais bon. Bah, à tout de suite. Ah, on a notre briquet ici. Bon, ça va, ça va. Alors, je vais retourner dans la buanderie. En photo, ça fait rien. Ici. Nope. Ah merde. Là, je suis un peu dans... Je suis un peu mal barré parce qu'elle a vraiment pop collé à WAM. Elle va pop dans mon truc. Je vais prendre une photo. Oh derrière, regardez. Stylé. J'ai entendu du bruit. Ah, je peux moins d'ouvrir. Ah. Oh ah, la porte est ouverte. Il est resté trop longtemps dans l'obscurité. Bah, je veux bien, je veux bien. Voilà. C'est bon. Dehors!
trop bien. Ça me dit quelque chose, ça. Je me demande si c'est pas un truc comme ça que j'avais fait quand j'avais testé le jeu. Oh putain, par contre, c'est pas très joli. Je prends des photos quand même. À ce moment du jeu, j'avais déjà dû cacher. Me cacher dans le trou que j'avais sous mon lit. Bon, ça va là, c'est quand même plus. Bon, j'avoue, la gamine qui se fait enlever, c'est un peu badant, mais. Mais là, ici, c'est plutôt sympa, regardez, il y a un gros panda! Il y a des peluches qui nous accueillent. C'est mignon. Dire, on a connu pire, quoi. La cabane! La cabane de la petite. I'm Lucy. Hello, Lucy. I want to be your friend, Lucy. Ah, oh, non, tu te vénères. Pico. Friend did it. C'est pas un très friend. C'est qui, Pico? Il est où, Pico? Verrouillé, il me faut une petite clé. Voilà, j'ai une petite clé. Le garage. Bah non, c'est où ma petite clé? Bah je l'ai eu. Elle avait une petite clé? Je peux pas mettre la petite clé? Ah non, c'est un truc de... C'est pas une clé que j'ai trouvée, c'est ça? Bon, je vais regarder ailleurs. Ah bah si, elle est là, je l'avais pas vue, pardon. Y'a plus tes voix cheloues? Si, mais mais c'est... Vu que ça... Enfin, là pour quand c'est déjà écrit, ça va. Quand c'est juste un truc écrit, ça va. Mais... Oh. Ah, ça revoit, Lucie. C'est mauvais, Lucie. Toi, s'en aller. Ne le dis à personne, Lucie. Toi et moi. Je veux simplement t'aider. C'est pas ce que tu crois, Lucie. Tes parents ne comprendraient pas, Lucie. Toi seule peux comprendre. Débarrasse-t'en, Lucie. Fais-le. Débarrasse-t'en. Je fais que quand je peux lire, j'ai le temps de lire. Quand j'ai pas le temps de lire, le temps de faire mes voix, c'est l'horreur. Salut Ryu! Débarrasser de quoi en fait? Que je pas. De Pico? Je comprends rien. Un peu moins fort là. Ah non, c'est d'accord, c'était fait exprès. C'était fait exprès, désolé. C'est toi. Ah, c'est moi. Ah, d'accord. Bah c'est con parce que il m'enfermait. Débarrasse-t'en. Pays limitrophe du Kazakhstan. Débarrasse-t'en, Lucie. Mais voilà,
comme je disais, mes voix, je l'ai fait que quand j'ai le temps de lire. Et tout à l'heure, typiquement, dans l'hôpital, ça parlait trop vite, j'avais à peine le temps de suivre, donc le temps de faire mes voix, c'est mort, quoi. J'ai laissé pour la lumière, mais bordel, qu'est-ce que le son me gonfle ! Ok. Bah, j'ai rien eu de nouveau, en fait. Ah ! Non, c'est déjà ouvert. Là, pour le coup, j'ai pas du tout avancé. Il manque une manivelle pour ça. Ok. Ah si, oui, j'avais pas vu tous les interrupteurs. C'était bien qu'ils avaient disparu. Bon, bon, bon. Et ben. Ah, ah c'est quoi ça, truc? J'ai le temps de voir. J'ai le temps de voir. Mais si, j'entends des bruits bizarres. Bon. Quoi que ça veut dire dans ce jeu. Mais la santé mentale, je sais, je sais. Voilà. C'est par là que j'entends des bruits. Non, Lucie, j'arrive pas à... En fait, je dois éteindre mon briquet et je n'y arrive pas. En fait, j'ai déjà éteint. Ouais, je vois rien en fait. J'ai déjà éteint. Bah, ça fait chier. Ok. Je sais pas où elle est. Dans le team mort, là, j'ai jamais joué à ça. Il y a tellement de petites natures quand même. Un jeu d'horreur, effectivement. J'avoue, il est un peu horrifique. Pour un jeu d'horreur. Ah! Oh non, mais c'est chiant, Lucie, tu fais chier là! Je peux oser monter parce que je crois que c'est un cul-de-sac là-haut. Ah merde! Du sous-sol, moi j'ai que la clé du garage. C'est chier. Je trouve pas tout. J'ai toujours pas trouvé la clé du sous-sol et ça commence à être très lourd. Puis là, bah, j'arrive pas à me barrer. Donc bon, je ne sais pas. Éviter parce que c'est trop longtemps. Oui, parce que c'est l'obscurité en fait. Il n'y a que ça, mais. Mais il n'y a que de l'obscurité. Je ne peux pas l'éviter. C'est pas... Je ne peux pas voler d'ailleurs. Non plus.
Je passe mon temps à faire le même tour, j'en ai marre. Aussi. Ouais, d'accord. Là. Il est tout seul, hein. Ouais. Ah! Remonte à l'étage. Incroyable. Il n'y avait pas ça avant. Ah, mais je suis toujours? Bon, hein, là, vas-y, arrête. Hein. Ça semble fonctionner correctement, t'es sûr? Ah, si, il y avait complètement, je crois. C'est moi qui pète un câble, c'est tout. Ah, les interrupteurs, fallait que je les suive. J'ai fait une photo! J'aime pas quand ça traîne pour rien. Ah, il y a Pico. Il y avait Pico. Mais il n'y a plus trop Pico. Je dois encore suivre quelqu'un. Suivre, qu'est-ce que j'ai fuir quelqu'un. Ça ressemble à ça, hein. Je sais même pas ce que je cherche. Je suis venu à la porte du début là. Ok. Petit sursaut. Je m'en fous, je vais à la porte d'abord. Hein. Oh merde. Hein. Ah, salle des cages. Merde. Il me faut une clé. Ça, j'avais pas prévu. Faut que je trouve une clé et ça va être très chiant. Je reste tout ouvert pour me rappeler que j'ai déjà fouillé en fait. Oh ! Une lampe incroyable. Ça éclaire vraiment super giga bien. Je crois qu'elle s'amuse à tout refermer derrière moi. Lundi. Ok, presque vite, oui, bah, faut que j'y fasse, moi. Ah. La gamine, elle a vraiment une inbox plus grande que ceux de la partie juste avant. Ouais, ça, tu vois, on va se cogner peut-être les genoux dedans. C'est aussi mon idée.
stratégie, mais je crois qu'ils se referment en fait automatiquement, je crois. Ah, je sais pas en fait. Peut-être qu'une impression. Oh, ça me gonfle. Oh là là, je me retape ça. Allez. Ah, hop. Bon, faut faire le tour. Un bureau genre là. Ah, j'ai la clé. J'ai pas l'impression. Non. D'accord, c'est pas là en fait. Wow, elle a été aspirée. Mais merde, c'était où alors? Oh, je déteste devoir me repérer dans le noir comme ça! Je vais voir si j'ai la clé. Non, je l'ai pas. Bon, bah je sais pas où c'est du coup. Je vais essayer de fouiller tout ce que je croise. Et toujours du côté chiant. Je vais explorer à chaque fois à droite en passant par là. Toujours à droite. C'est pas là quoi. J'aurais plus de briquet, ça va être sympa. On va se refaire choper et puis retenter quoi. Parce qu'on s'éclate. En fait. Ok, vite, vous n'avez plus besoin de le garder. Il affiche allumé pourtant. Mais effectivement, je trouve que je vois pas beaucoup pour un briquet allumé. Chercher un truc quasiment entièrement dans le noir, c'est vraiment génial. Désolé, mais c'est... Désolé si vous aimez mes yeux, hein, mais c'est une giga idée de merde. Parce que, bah, en plus, ici, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen, en fait, d'économiser. Du coup, bah, j'ai... Voilà. C'est mon seul moyen, là, de trouver la clé. C'est pas mais ça. Et du coup de me rendre quasi aveugle, parce que c'est vraiment extrêmement désagréable, pour vous comme pour moi. Là, pour le coup, c'est une giga, giga idée de merde. Je vais être obligé de me laisser choper. Elle tape, sinon le son va nous rendre dingue. Pas le choix. Obligé de se faire choper volontairement juste pour pouvoir avoir de la lumière. C'est super naze. C'est super naze. C'est déjà assez chiant d'être poursuivi de chercher un truc dans le noir. Bordel, donnez-nous juste une lampe, quoi. Mon orage, c'est beau, les éclairs. Les éclairs, c'est beau. Ça, c'est des flashs. Pas la même chose, hein. Ça, c'est un flash. C'est de la merde.
veux dire que la clé se déplace, c'est ça? Elle n'est pas toujours au même endroit? Moi, je l'ai déjà sur moi, mais non, j'en vois qu'une. Mon dieu. Un câble. C'est vraiment naze. C'est vraiment naze. Super. Oh putain, la musique me crée un acouphène, quoi. Enfin, l'ambiance sonore me crée un acouphène, là. C'est putain insupportable. Allez! Bah j'essaie d'éteindre mon briquet, mais tu veux pas le jeu, donc tant pis. C'est bon? On peut se calmer sur l'ambiance sonore? Ah, le son est tellement fort! Dégage! Mâchoire de mannequin. Pas interrupteur dans la maison? En effet. Bon! Écoutez, on fera la suite du chapitre un autre moment. Le jeu veut bien me laisser 10 secondes. Il va falloir que j'aille me chez coup. Mais bon, je vais vite faire redescendre pour voir ce qui s'est passé. Can we enter? Figure avec l'ampoule, apparemment ça répare. Ok. Tu ressautes que dalle, c'est tellement badass.
C'est un peu trop téléphoné, les screamers. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Des bisous YouTube. Au revoir VOD.